Bon, je suis pas intervieweur, hein, mais on va, ça va le faire, ça va le faire. T'inquiète. Ça va, tu sais que cette vidéo va faire plaisir à beaucoup de gens chez moi. C'est vrai? Bah, en vrai, oui, parce que sans me vanter, je pense que sur YouTube, j'ai une des commu Zelda les plus, ouais, plus à fond. Ouais. Donc, tu vois, j'ai fait une interview avec Eiji Onuma il y a quelques années, mais à part lui, quelle autre personne qui gravite autour de la licence plus importante que la princesse qui a le nom du jeu, tu vois, donc je pense que voilà. Et tu sais que d'ailleurs, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais quand Breath of the Wild est sorti, ouais, j'ai regardé des let's play parce que je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait le jeu. Ouais, ouais. Voilà, avant qu'il sorte, j'avais vu que les cinématiques forcément, ouais, que les souvenirs même. Ah, et oui. Bah ouais, et donc j'ai regardé sur ta chaîne les let's play pour voir à quoi ça ressemblait. Incroyable. Voilà. Je savais pas, ça, tu m'avais jamais dit. Ah bah, et ben voilà, mais je te le dis. Non, mais c'est très bien. Parce que, alors du coup, j'ai lancé sans dire bonjour. Ouais, mais bonjour. Je pense toujours une intro, donc voilà. Petite donc vidéo, vous l'avez compris, avec Adeline. Parce que pour l'anecdote, en fait, avec Adeline, on se croise très régulièrement en convention. Ouais. Je l'embête tout le temps pour essayer d'avoir des infos. Je n'y arrive évidemment pas, c'est normal. Jamais. Et puis en fait, je me suis dit, vu que moi, ça fait des années que je parle du jeu, quoi de mieux juste avant la sortie pour finir un peu cet arc actu et tout autour du jeu que de faire une vidéo avec toi, finalement. Bah ouais, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Que je pense que ça va faire plaisir à du monde. Alors, pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas Lynn, est-ce que tu veux quand même te présenter? Même si je pense qu'ils te connaissent, mais... Bah, je peux toujours me présenter assez brièvement. Voilà, bah, je m'appelle Adeline Chetaille et je suis comédienne. Je fais du doublage de voix, donc on peut dire que je suis doubleuse. Ouais, c'est ça. Et je fais entre autres la voix de Zelda. Entre autres. Depuis 2017, depuis que Zelda parle. Depuis que Zelda parle, tu as été la première et seule pour l'instant voix de Zelda, effectivement. Après, tu fais aussi Ellie dans The Last of Us. Tu sais que je n'arrive toujours pas à me dire que c'est la même personne. Et ben ça, c'est le plus beau compliment du monde. Mais je sais, mais ouais, parce que en fait, c'est vraiment deux personnalités extrêmement opposées. T'as un mec ultra rebelle et tout, combative, et Zelda qui est plus. Ouais, pas la même façon de parler, pas le même ton de voix, pas la même énergie du tout. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande régulièrement qu'est-ce que se dirait Ellie et Zelda si elles se rencontraient. Je sais pas. Les deux mondes n'ont rien à voir, donc je pense que ce serait. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. T'as fait, après, t'as fait, bah, récemment, t'étais dans Hogwarts. Oui. Donc, voix 2 dans Hogwarts Legacy. Voix 2. Arcane. Arcane, j'allais dire. Jinx. On a fait plein. Et Wakfu avec Amalia, pour citer vraiment. Bon, il y a Kiki la petite sorcière aussi. On a fait plein. Ouais, il y a plein de choses. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est Zelda. Exactement. Alors, j'ai préparé quelques questions. Okay. Alors évidemment, je suis désolé, je le dis d'avance, on va pas pouvoir avoir des infos, c'est normal, hein, il y a des contrats. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te poser des questions sur l'univers, mine de rien. Une des questions que je me posais, c'est est-ce que avant tout ça, déjà, est-ce que toi, la licence Zelda, c'était un truc que tu connaissais? Un peu, pas beaucoup, pas du tout. Alors moi, je suis pas très gameuse. En vrai, dans ma vie, j'ai joué à très peu de choses. Ouais. Quand j'étais petite... je jouais aux Sims par exemple, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, j'ai fait un jeu Zelda sur Nintendo DS, j'ai fait Ocarina of Time. Quand il était ressorti? Ouais, voilà, c'est ça, sur DS. Et c'est vraiment un des seuls jeux auquel j'ai joué dans ma vie et que j'ai terminé. Voilà. Donc, j'avais déjà connaissance en fait de cette licence et de cet univers. Okay. Parce que c'est quand même un univers qui a 30 ans. Ouais! Ouais. Ben oui, ça a démarré le tout premier, après c'est passé le passage en 3D et tout, donc après t'es virage avec Breath of the Wild. Et alors Ocarina? Ah bah j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je crois que c'est un des jeux préférés beaucoup de joueurs. C'est moi pendant longtemps... Ben en fait c'est le jeu qui a fait basculer la licence en 3D, qui tout de suite a apporté un... C'était avec Mario 64, tu sais, c'est les deux gros jeux qui ont basculé quoi. Donc forcément, les gens de mon âge, on aime beaucoup. Donc je connaissais pas plus que ça, c'est vraiment... Ouais. À ce moment-là. De jeunesse, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais été happée dans cet univers et que j'étais allée jusqu'au bout, chose que je faisais pas forcément, parce que j'étais pas spécialement. Ouais, pas spécialement. Et comment t'es arrivée sur Ocarina of Time? Comme ça, j'ai eu une DS et je me suis dit, je vais tester un jeu, hop, ça a l'air sympa, et voilà. Et t'as fait, cool. Fait Ocarina. Ok. Alors, quelques années après Ocarina, du coup, Breath of the Wild. Oui. Alors, ma question, c'est déjà, comment ça se passe? Est-ce que. Est-ce qu'on vient te chercher? Est-ce que tu fais un casting? Est-ce que tu vois,
Comment tu te retrouves Voiselle? Comment tu te retrouves Voiselle? Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais juste un tout petit récap par rapport à mon métier. Oui. Il n'y a pas de casting ouvert, il n'y a pas c'est de petites annonces, de choses comme ça. Bah oui. Je ne peux pas me présenter. En fait, ça se fait par étapes. On devient déjà comédien. Ensuite, on se spécialise plus ou moins, ou en tout cas, on a accès à la toute petite partie du métier de comédien ou de comédienne qui est le doublage de voix. Et on commence par des tout petits rôles, des petites choses. Donc, même en jeu vidéo, c'est encore particulier, c'est encore une autre étape. Et le jeu de vidéo, c'est on commence par des petits persos qui passent, qui font une petite phrase par-ci par-là. Oui, au début, plus en arrière-plan. Et puis on se fait repérer en fait par les directeurs et directrices artistiques qu'on appelle les DA. Ouais. On se fait repérer comme ça. Et moi, j'avais déjà travaillé avec cette société de doublage de jeux vidéo. J'avais déjà enregistré avec eux certaines choses. Okay. Donc ils ont pensé à moi quand ils ont fait ce casting-là, parmi d'autres personnes. Et ils m'ont proposé de passer un casting pour faire le rôle principal d'un jeu vidéo japonais. C'est tout ce qu'on m'a dit. Oui, tu ne savais pas à l'époque. Je ne savais pas. Oui, tu ne savais pas. Et quand je suis arrivée au casting, c'était un casting qui était secret. Donc avec des noms de code, la princesse ne s'appelait pas Zelda, le royaume ne s'appelait pas Hyrule. Ouais, tu savais pas. Tout était codé. Ok. Et on m'a fait un petit résumé de l'histoire et de mon personnage pour que je puisse savoir un petit peu comment interpréter ce personnage. Mmh. Et quand on m'a fait ce pitch, t'as reconnu? J'ai dit, oh, c'est pas très original. Ah, mais parce que en fait, tu mets le doigt sur un truc. L'histoire de base de Zelda, c'est un truc assez basique. C'est le chevalier qui va sauver la princesse. Et puis c'est quelque chose qu'on connaît depuis, depuis 30 ans. En fait, j'avais déjà expérimenté cette histoire moi-même, mais j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire. Ah, de faire le rapprochement. Mais ouais. Je ne savais pas que Zelda était en préparation, j'avais aucune info. Et je me suis dit, ok, c'est pas très original, mais bon. Et puis finalement, on m'a décrit le caractère de cette princesse. Ouais. Et j'ai trouvé très intéressant. Oui. Voilà. On m'a décrit un petit peu ses failles. En même temps, elle n'est pas fragile. Non. Donc c'est un personnage qui est riche, qui est intéressant. Et chose que je ne m'avais jamais demandé en casting, on m'a demandé de faire une impro. T'as fait une impro? J'ai fait une impro. Qui est dans le jeu? Non, pas du tout. Ah d'accord. Okay. C'est une impro de casting. Donc maintenant qu'on t'a donné toutes ces infos, que t'as enregistré quelques lignes de texte et tout ça, comment est-ce que tu peux improviser quelques phrases? Pour voir si t'as compris C'est ça, dans la peau du personnage. Ouais. Donc moi j'ai dit, je me suis présentée en fait, j'ai fait... Je m'appelle Oumi, parce que c'était un autre nom. Tu savais pas à ce moment-là. Et je suis la princesse du royaume Oumi. Okay. Je dirais pas le nom de code. Et puis j'espère que je vais pouvoir sauver mon royaume. J'ai un peu improvisé là, autour de ce thème-là. Et puis on m'a envoyé un texto quelques temps plus tard en me disant « Tu as été choisi, rendez-vous tel jour, telle heure. » Pour l'enregistrement. Okay. Sans aucune autre info. Et tu savais toujours pas? Je ne savais toujours pas. Okay. Et je suis arrivée à l'enregistrement et là on m'a dit, on t'annonce, Aline, que c'est Zelda et que tu es la première à parler. Eh ben, c'était ma question. Du coup, à ce moment-là, tu découvres... Tu découvres à ce moment-là que c'est la première fois qu'il y a des voix dans Zelda. Oui. Et un peu de pression ou non, même pas? Tu es contente? Énorme pression tout d'un coup. Alors, je me mets la pression pour chacun de mes rôles, puisque j'ai envie que ce soit bien fait. Ouais. En plus, dans mon métier, on ne peut jamais savoir si c'est quelque chose qui va devenir connu ou pas. Ben oui. Là, Zelda, évidemment, Voilà. Mais peut-être pas à ce point. Parce que Breath of the Wild, c'est rendu trois fois plus que les anciens opus, quand même. Donc, ça a vraiment fait passer la licence dans le très, très grand public. C'est ça. Mm. Et je ne pouvais pas savoir, mais je savais qu'on allait attendre beaucoup de cette voix, de cette princesse. Et d'ailleurs, il y a eu un petit moment de doute parce que quand le jeu a été annoncé, qu'il y a eu les premières bandes annonces et tout ça. Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles. Il y a eu aussi une info comme quoi sur Switch, on ne pourrait pas passer à une autre langue. On était obligé de prendre sa Switch en français et d'avoir le jeu en français. D'accord. Donc il y avait des gens qui râlaient un petit peu, qui avaient envie d'entendre la version japonaise. Ouais. Ce que je comprends. Mais j'avais envie de dire, attendez de voir si ça se trouve, ça va vous plaire, vous allez aimer. Et voilà, j'étais stressée. Ouais. Et finalement, quand le jeu est sorti, ça a été unanime. Oui, moi je m'en rappelle. Ça, sur les voix et sur ma voix en particulier. Ouais. Je sais qu'il y a eu des comparatifs aussi sur d'autres voix dans le monde entier. Ça arrive tout le temps. Et c'est un choc pour moi, c'est un honneur. Zelda m'a rendue aussi très connue.
Ouais. J'ai fait beaucoup de conventions grâce à elle. T'as senti un avant, un après ? Oui. Ouais. T'as senti un avant, un après Zelda. Beaucoup de gens qui viennent te voir pour Zelda. Bon, là, en ce moment. Énormément. En ce moment, j'imagine que. Ouais. Bah oui, parce que forcément, t'avais déjà des gens pour Ellie, entre autres, j'imagine aussi. Oui. Et, mais c'est pas. Je sais pas si c'est les mêmes joueurs. Non. Pas trop. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je m'amuse en convention à deviner quand je vois arriver la personne. Okay. Je dis, toi, tu es fan de Ellie, je le sens. Parce que souvent, ils ont des chemises à carreaux. Ah oui, bon, bah voilà, c'est réglé. Et puis, je vois aussi ceux qui sont plus Zelda Team. Ouais. Voilà, et j'essaye de deviner, c'est un petit jeu que j'aime. C'est... Ok. Petite question que j'avais. Alors, moi, je me rappelle effectivement à l'époque du. T'as raison, à l'époque où les voix. Enfin, dernier trailer, je pense. Avant, on n'entend pas les voix. Le dernier gros trailer, on entend les voix. Et en fait, moi, je me rappelle que au début, ça avait choqué tout le monde. Juste le fait qu'il y ait des voix. Oui. Parce que ça fait 30 ans que la licence était muette et d'un coup, on arrive comme ça. Et très vite, moi, je trouve qu'on l'a accepté très facilement. Et on a souvent dans le jeu vidéo, je trouve, hein, en général, mais dans le jeu vidéo, vu que c'est surtout mon secteur, je trouve qu'à chaque fois, les voix françaises, elles sont très bien, tu vois, et souvent il y a les comparatifs. Là récemment, il y avait eu, tu sais, on a beaucoup comparé, j'ai vu ça pour le film Mario. Oui. Où tout le monde disait, oh, la voix de Mario en français, elle est trop bien et tout. J'ai toujours trouvé que les voix de tous les protagonistes du jeu collaient parfaitement. Tu vois, je verrais pas un perso avec une autre voix ou. Est-ce que, ça c'est une question que j'aurais pu avoir, est-ce qu'il y a un personnage que t'aurais aimé faire dans Breath of the Wild à part la princesse? Non. Peut-être Mipha ou non? Non, parce que c'est vraiment un personnage, comment dire, j'allais dire taillé pour moi, ou c'est plutôt moi qui suis taillée pour elle. J'ai fait dans ma carrière beaucoup de princesses. Ouais. Voilà, j'ai Princesse Amalia, Princesse Nausicaa. Ouais, ouais. T'es... Bon, bref, beaucoup de princesses en A. Et je me sens très proche d'elle, dans ma façon d'être. Dans mon désir de bien faire, ce genre de choses, et j'aurais pas pu imaginer faire une autre personne. Ouais, parce qu'en vrai, ça colle bien comme ça. Ouais, ouais, ça j'aurais pas eu envie même. Ouais, ok. Pour moi, il y a que Zelda. Ok. J'avance un petit peu. Ouais. 2019, ma question c'est, je sais pas si tu. Enfin, a priori oui, mais. Quand le nouveau Zelda est annoncé, moi, je me rappelle très très bien, j'étais en live, ça a cassé Internet. Parce que personne à ce moment-là ne s'attendait à avoir une bande-annonce aussitôt. On se disait, oui, bon, peut-être que s'ils font une suite, parce qu'on entendait déjà qu'il pourrait y avoir une suite, que voilà, ça, vu que c'est le même moteur, ça pourrait arriver rapidement. Mais quand on a la bande-annonce, tout le monde pense à un DLC. Mmh. Et en fait, on comprend que c'est une suite. Et voilà. Ma question, c'est, bon, les doubles, c'est à ce moment-là, quand ça sort, est-ce que toi, t'es déjà au courant? Et est-ce qu'à ce moment-là, tu sais si tu vas reprendre ton rôle? Alors, les productions n'appellent pas les comédiens de doublage quand ils sont en train de lancer des productions. Okay. Donc, on a généralement très peu d'infos. Ouais. Le doublage intervient vraiment quasiment à la fin des productions. Ouais. Et on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Pareil, on reçoit un message, est-ce que tu es libre tel jour, telle date? Ouais. Tu ne sais pas forcément que c'est pour ça. C'est ça. Donc, je n'avais pas du tout d'infos. Je n'ai pas du tout d'infos. D'ailleurs, je n'ai toujours pas d'infos. Oui. Voilà. On va dire ça comme ça. Bah oui. Mais quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, c'est la même Zelda. Ouais. Bah donc, oui. J'ai pas eu d'inquiétude. T'as connu la DA et tout. Voilà. Oui, t'as vu que c'était une suite. C'est une suite. Oui. Si ça avait été une autre Zelda avec complètement un autre caractère design, ils auraient pu changer. Voilà. C'est possible de changer puisque c'est une autre interprétation, peut-être une autre comédienne en japonais aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Là, moi, j'ai été rassurée de voir que c'était une Zelda similaire. Ouais. Donc, il y a des chances que ce soit moi. Ouais. Bah oui, je comprends. Ok. Pour finir, question peut-être tout bête, mais ton rapport avec Zelda, est-ce que c'est un personnage que t'aimes, parce que tu l'as réenregistré pour Hyrule Warriors? Oui, aussi, je tout crois. À fait. Ouais, c'est très intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai adoré ce jeu, les cinématiques Voilà, comment tu la situes, c'est quoi ton amour pour ce personnage, comment l'enregistrement, c'est un perso qui te ressemble, comment tu le vis ce personnage aujourd'hui avec du recul? C'est un personnage que je vis à 1000%. Sur Breath of the Wild, il y a cette fameuse scène très impactante où Zelda pleure un peu toutes les larmes de son corps. Sous la pluie, là. Par exemple, c'est une scène dans laquelle j'ai mis mon âme, littéralement. Et oui. Et donc, il y a
un peu de moi, forcément, dans le personnage de Zelda. Ouais. Il y a mes émotions, il y a mes sentiments, il y a tout ce que je pourrais ressentir si j'étais à sa place. Elle a un énorme poids sur les épaules, ah bah, cette elle a princesse. Tout le royaume, ouais. Voilà, il faut qu'elle a la responsabilité de sauver son royaume. C'est pas évident pour elle, et je suis en totale empathie avec elle. Et c'est un personnage qui est vraiment fort, ouais. Et surtout que j'admire énormément. Elle a une force intérieure exceptionnelle, donc je l'adore, bah, et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. En fait, c'est un personnage qui est... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la Zelda Breath of the Wild, c'est qu'au début, tu la vois très timide et tout, mais en fait, oui. Elle cache tout un pouvoir, tu sais, elle qui a à la fin. Ouais. Et ça, en fait, ça a toujours... Là, pour les gens, bon, ils le savent, je pense, mais on associe souvent Link parce que c'est le héros, mais en réalité, le personnage principal et le plus puissant, de toute façon, c'est Zelda. Et c'est pour ça que c'est le oui. jeu, c'est la princesse Zelda, c'est parce que c'est souvent elle qui, en réalité, à la fin, tu vois, dans Ocarina of Time, c'est elle qui lui donne la dernière arme et tout. Enfin, il y a toujours, ouais. C'est toujours elle qui, au dernier moment, en fait, fait que la victoire est possible. Ouais, elle est emblématique et elle est, c'est la clé. En fait, et c'est pour ça que le jeu s'appelle Zelda. Ben c'est ça, c'est pas Link. Hein. Et arrêtez d'appeler Link Zelda, parce que dans ce sens, c'est insupportable. Ça va. Au début, en 2017, j'avais beaucoup de confusion. Ah ouais? Ben oui, ouais. Mais c'était Twitch. Ouais. Parce c'est que toi, vrai. Tu connaissais moins. Non, moi je savais, mais j'ai pas mal de gens qui venaient me voir en disant. Ah, les gens, ouais. Ouais, c'est ça, ils pensaient que Link était Zelda et inversement. Ah ouais, d'accord, voilà. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus cette confusion. Non, c'est bon. Je pense que justement, parce que ce personnage est devenu très connu, très ouais. médiatisé, entre guillemets, voilà, très fort. Et, mais j'avoue que moi, j'ai beaucoup d'affection pour Link. J'aime beaucoup bah ce Bah oui, parce que c'est le, ouais. c'est le. En fait, Link, c'est un peu. Tu sais, c'est, pour moi, c'est le personnage, ça pourrait être n'importe qui se retrouve là un peu... Enfin, pas n'importe qui. Non, quand même, il a un talent. Bien sûr, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouais. le personnage sur qui tout va reposer. Ouais. C'est pas un prince, c'est pas, tu vois, c'est pas un chef de clan. C'est, non, c'est un protecteur. Voilà, c'est le guerrier ouais. de la princesse ouais. et tout repose sur lui dans le jeu. Et il râle jamais. Bon, non, bah, il parle pas. Voilà. Le fait qu'il soit d'ailleurs muet, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et voilà. Ça, c'est la crainte des gens. C'est ça. Ouais. C'est la crainte, c'est qu'un jour. Bah, je pense que c'est le jour où ça arrive, on s'y fera, tout comme on s'est fait au bois, tout comme on s'est fait au changement de gameplay et tout. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il est véritablement muet. Ben ouais, mais t'as des scènes où tu le vois, il fait ça avec ses bras, il explique des choses aux villageois. Bah, il fait du. Ouais, il fait du. Ah, peut-être qu'il est vraiment muet. Peut-être. J'espère. Ouais, c'est vrai que je le verrai pas avec une voix. Non. Bon, après, n'importe. Peut-être, mais ça permet de l'identifier, ouais. tu vois, et chacun peut se projeter en lui, là où les autres personnages qui le parlent, c'est moins... C'est pas du tout dérangeant, au contraire, ça permet de, tu vois, de ouais. augmenter le lore et tout autour. Moi, je trouve ça hyper intéressant, même le rapport entre Zelda et Link, ouais. sur certains dialogues, où ils se comprennent parfaitement. Ouais. Alors, Zelda comprend parfaitement ouais. Link. Parfois, elle l'engueule et tout, c'est oui. drôle. Et voilà, moi, j'aime leur lien qui se crée au fur et à mesure aussi. Ça, c'était quelque chose de... C'est quelque chose de très, très fort, très important. Ouais. Et voilà, si je devais dire à quel personnage je préfère, je crois que... J'aime beaucoup Zelda, mais je crois que je préfère Link. Ah, ouais. Tu préfères Link, ouais. tu penses? Ok. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que là, il y a des débats. En tant que spectatrice. Aussi. En spectatrice, ouais. Bien sûr. Je t'avoue, je sais pas. J'aime bien les deux. Et, ouais. Ils sont cool. indissociables. C'est, bah oui, de toute façon. Et c'est très, très différent. Ils sont très différents. Pour finir, j'ai envie de dire, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton actu, de ce que tu as fait récemment, de où tu te retrouvais Alors là, il y a Hogwarts Legacy qui vient de ouais. sortir, version PS4 et Xbox One. C'est vrai. Voilà, il manque encore sur Switch, ce sera dans quelques mois, je crois. Ouais, il est sorti sur plusieurs... Ouais, c'est ça. Il est sorti sur PS5 en premier, en février. Donc voilà, si vous avez envie aussi de passer du temps avec moi. Voilà. Et puis, peut-être Tears of the Kingdom, je ne sais pas. On ne sait pas, on verra. Bon. Peut-être. Merci. Je te dis, je pense que ça va leur faire très plaisir. Ah ben, ça fait plaisir, moi aussi. Et ça, je comprends pas pourquoi on n'avait pas fait ça avant, mais je trouve que c'est le bon moment. Donc, carrément. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Salut. T'as plu? Ouais, de bon, ouf. Bon, très bien.